Alors, on essaie de choisir les départs les plus droits possibles, mais effectivement, on a toujours besoin de redresser le bois, notamment après le temps de séchage au grenier, le bois ne sort jamais tout droit. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on chauffe le bois, ce qui le rend très souple, très malléable, et ensuite, on peut le bloquer dans des étaux, ce qui fait qu'en refroidissant, il va épouser la forme et il va redevenir droit. Du coup, si vous dévissez la tresse, vous allez pouvoir voir apparaître. Vous tenez le bois d'un côté et la tresse de l'autre. Le bois là. Voilà. Et là, avec l'autre main, vous dévissez la tresse. Vous prenez la tresse à pleine main et tenez. J'espère que le plat de vis est longé. C'était une arme de défense autrefois. Par tradition, on l'a conservé. Oh là là. Pointu. Oh là 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 là. Mais c'est décoratif. Aujourd'hui, oui, j'espère que ça ne sert plus, hein, évidemment. Parce que évidemment, oui. Si quelqu'un se promène avec ça, et... sauf s'il est attaqué dans le bois par un animal, je ne sais pas lequel. Oui, toi qui es chercheuse de cèpes. Oui. Voilà. Le bras légèrement plié, mais léger, quoi. Pas en éclair. C'est ça. C'est ça. Bon. Alors, et là, c'est du cuir. Voilà, du cuir de chevreau. La Marie-France est absente, elle est à la maison et elle tresse depuis la maison. Pour ne pas qu'on dévoile son secret. Sinon, elle occupe cet établi où là, elle va faire les finitions, à savoir la dragonne, qui est moins secrète, et puis le petit pompon qui est sous la tresse. Et ici, voilà, on est sept à travailler et on a chacun une mission, un rôle à jouer. On entend Lisa graver là, à l'entrée. Des grandes plaques métalliques qu'on va couper à la bonne dimension, on va former les dents du bas, on va rouler la matière, on va la souder sur l'intérieur. Les boules, c'est deux demi-sphères qu'on soude sur l'intérieur, qui est elle-même soudée à la virole. Bon. Et puis, une fois que la virole est formée, on peut se la poser sur un chanfrein. Hop, on peut se la poser et ensuite on peut... Ah oui, d'accord. Avec les poinçons, frapper la matière pour écrire des choses ou faire des formes. D'accord. Et combien de temps, entre guillemets, entre la commande de quelqu'un ? 18 mois. Et le final ? 18 mois ? 18 mois d'attente. On ne travaille pas la commande pendant 18 mois. En soi, il nous faut 3-4 jours pour faire le maquis là. Il y a tellement de commandes que du coup les plannings sont chargés et aujourd'hui on est sur 18 mois de délai d'attente. Oui, oui. Demander à la personne son âge, son poids, sa taille et son poids. Pour son prénom et son nom. Voilà. Pour sa devise aussi. Et ce qu'il veut, s'il veut un truc en. S'il veut un pommeau corne ou un pommeau métallique, le métal qu'il veut et s'il veut une tresse ou pas. Là, je viens de façonner les poignées qui vont venir épouser le bois. Donc, comme les bois vont rester ici à la gravure, alors que les poignées vont partir au tressage, je leur mets un repère pour qu'on puisse les retrouver. Au départ, quand on choisit le bois au grenier, ils sont jamais parfaitement droits, si vous voulez. On a toujours besoin de les redresser. Donc là, il est en train de le chauffer, ce qui va rendre le bois très malléable. On l'a vu. Et là, voilà, donc il le chauffe et ensuite il le bloque dans des étaux, ce qui fait qu'en refroidissant, il épousera la forme voulue. Combien ça coûte au fait ? Entre 320 et 690 euros. Je ne sais pas si je ne vais pas m'en payer un pour... Voilà. Pourquoi faire ? Mais j'ai travaillé avec les plus belles femmes du monde. J'aurais pu être beau moi aussi. J'aurais dû. Mais ça, je m'en fous la beauté. C'est ce qu'il y a là. Si vous avez la beauté intérieure, c'est déjà pas mal.